J'ai bien joué, c'est ça qui est un peu fâchant. J'ai trouvé que j'ai bien frappé la balle, plusieurs verres. Juste sur les verres, j'étais juste un petit peu à court, un petit peu à gauche, un peu à droite. Je fais aucun pot aujourd'hui. Quelques bad luck, 16 particulièrement, 15 un peu aussi. Donc, bref, c'est ça. Ça a été plus ça aujourd'hui. Ça a été pas mon meilleur week-end, mais overall, je suis satisfait de ma semaine. Beaucoup de positif pour moi. Vous savez, c'est enrichissant dans mon développement de jouer devant chez moi où il y a à haute intensité quand même. Puis, puis aussi être dans les trois derniers groupes la fin de semaine. C'est ma deuxième fois cette année, troisième fois en carrière que je pense que je me retrouve dans cette situation-là dans PGA Tour Canada. Donc, je prends de l'expérience. Je m'améliore à chaque fois que je suis dans cette situation-là. Donc, pour moi, overall, c'est une belle expérience. Je me suis mis dans cette position-là. J'avais un bon groupe de support. C'était super de jouer au Québec. Donc, je retiens plein de positifs de cette semaine-là. Aujourd'hui, là, j'ai vraiment bien joué, je trouve. Là, j'ai pas manqué de coups en tout. Je me suis donné beaucoup d'opportunités. J'ai jamais été dans des positions difficiles. Ça a été une ronde assez facile. Donc, je suis super content. À chaque fois que je viens ici, c'est tout le temps une belle place. J'aime vraiment ça venir ici. Le monde est accueillant. C'est une belle place. Puis, je vais essayer de garder le momentum un peu pour les semaines qui s'en viennent. Il reste encore plusieurs tournois à jouer. Fait qu'on va essayer de partir avec ça. J'ai vraiment eu de la misère à faire des longs potes cette semaine. En fait, je n'ai pas fait un, je pense. J'ai été vraiment bon sur les petits potes, par exemple. Ça, il faut que je me le donne. Côté positif, c'est qu'en dedans de 6-7 pieds, là, j'ai été vraiment solide cette semaine. Mais en haut de ça, je pense que je n'ai pas fait un pour de vrai. Fait que ça a fait mal un peu, mais ça prouve que ma long game est super bonne. J'ai réussi à jouer à 5 ou 6, moins 5 ou moins 6 pour le tournoi. Puis j'ai pas fait aucun pot. Fait que je suis dans le milieu du peloton environ. Fait que non, en général, c'est une belle semaine malgré tout. C'est sûr que j'aurais aimé ça mieux faire devant ma famille, devant mes amis, mais c'est quand même un bon tournoi. J'ai fait la coupure dans un des meilleurs fields de l'année. Je suis déçu un peu. Je pense que ça se voit un peu dans mon visage. Je suis un petit peu déçu de ma semaine sur les verts, mais vraiment content de ma long game. J'ai travaillé beaucoup sur ma long game récemment, puis je pense que ça a payé pour cette semaine. Donc, c'est juste une question de temps. Quand la long game et la short game vont cliquer en même temps, je pense que Rick en a joué du très, très bon.